Sur nous, et notre temps est compté. Alors que la civilisation vacille et que notre monde est ravagé, saurons-nous construire un vaisseau capable de nous emmener vers d'autres planètes habitables? L'humanité pourra-t-elle échapper à l'anéantissement? Pourrons-nous évacuer la Terre? C'est digne d'un scénario de science-fiction. La fin du monde, pas d'espoir de retour, il faut évacuer la Terre. Pourtant, on ne peut pas dire que ça n'arrivera jamais. On a une impression de stabilité parce que la Terre existe depuis plusieurs milliards d'années et qu'on évolue dans un environnement relativement stable. Il y a régulièrement des ouragans, des tornades, des tremblements de terre. Mais globalement, la population continue de se développer. Ce qui nous donne peut-être une fausse idée de l'avenir. Papa, Yogi? Yogi. Toute la vie humaine et toutes les autres formes de vie sur cette planète sont concentrées dans la couche mince et instable qui entoure cet objet rocheux, gravitant autour d'une étoile perdue au milieu d'une grande galaxie isolée. C'est une étoile filante? Waouh, t'as vu celle-là? Les revers qu'ont subis les hommes ne sont rien comparés à ce qui pourrait nous tomber sur la tête. Il peut arriver tout un tas de mauvaises choses sur une planète comme la Terre. Ça se passe en ce moment? Oui. Allons-y. Il y a des scénarios dans lesquels la planète entière pourrait devenir inhabitable, à l'instant présent ou dans un avenir prévisible. Il se pourrait également que notre planète soit totalement détruite. Ouvrez le dôme! Ouvrez le dôme! Monte dans la voiture, vite! Monte! De Tucson dans l'Arizona à Okayama au Japon, des météorites grosses comme des boules de bowling ont causé des ravages sans précédent.
Selon les autorités, le bilan humain serait de 250 000 morts. Il pourrait s'agir de la pire catastrophe naturelle que le monde ait jamais connue. À en croire des éminents scientifiques, ces événements dramatiques pourraient n'être que le sommet de l'iceberg, un signe annonçant l'imminence de la fin du monde. Si tout à coup une pluie de gros objets célestes s'abattait sur la Terre, ce serait la catastrophe. Il y aurait de nombreuses conséquences et ce ne serait pas une bonne nouvelle. Il existe des objets dans l'univers qui pourraient rendre la Terre inhabitable ou même la détruire purement et simplement. Avant même qu'ils n'arrivent à proximité de notre planète, ces objets pourraient engendrer une pluie de comètes et d'astéroïdes. Ces pluies de météorites sans précédent nous mettraient la puce à l'oreille. On tournerait nos télescopes dans leur direction et on scruterait intensément le ciel. On commencerait peut-être par voir un objet mystérieux venant de l'espace intergalactique. Un des scénarios les plus extrêmes qu'on puisse imaginer ferait intervenir ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Ce type d'étoile est incroyablement dense. Et en raison de sa petite taille, sa luminosité peut être des millions de fois inférieure à celle du Soleil. Une étoile à neutrons est un corps stellaire. Une étoile bien plus massive que le Soleil, qui brûle son carburant extrêmement vite. À la fin de sa vie, quand elle a épuisé tout son carburant, son noyau s'effondre sur lui-même. Il se produit une supernova, une violente explosion stellaire. Il ne reste alors qu'un noyau incroyablement dense composé de neutrons. Il fait à peu près 10 km de diamètre. Comme une étoile à neutrons a une masse égale à deux ou trois fois celle du Soleil, elle exerce une énorme force de gravité. Et quand des objets s'en approchent, ils sont soumis à des forces si puissantes qu'elles peuvent les faire exploser. Ce qui fait peur, c'est qu'au moment où l'étoile s'effondre sur elle-même, elle peut se propulser dans l'espace à une vitesse phénoménale. Elle peut fuser à travers l'espace à une vitesse inouïe et balayer tout ce qui se trouve sur sa trajectoire. À l'approche de notre système solaire, son champ gravitationnel intense va perturber l'orbite d'objets comme les astéroïdes. Et on risque de voir une pluie de météorites s'abattre sur nos têtes. Que se passera-t-il ensuite? Les scientifiques essaieront de modéliser les différentes trajectoires possibles de cet objet dans notre système solaire. Si on découvrait qu'une étoile à neutrons se dirige droit sur nous, ce serait une très mauvaise nouvelle. On ne peut pas la faire exploser, ni changer sa trajectoire. Soit on s'écarte de son chemin, soit on subit les terribles conséquences d'une destruction massive. Certains scientifiques parlent de fin du monde. D'après les astronomes, une étoile à neutrons serait sur une trajectoire de collision avec la Terre. Si vous venez nous rejoindre, nous avons aujourd'hui pour invité l'astrophysicien Lawrence Kellogg. Monsieur Kellogg, ce scénario est digne d'un film. Oui, pourtant je vous assure que c'est vrai. Si on annonçait aux gens qu'un engin d'apocalypse se dirigeait vers la Terre, leur première réaction serait de dire « Tiens, Spielberg a sorti un nouveau film. C'est sûrement une tactique pour accrocher l'attention du public. » D'où vient-elle cette étoile à neutrons ? Il y a 60 000 ans, une étoile située à la périphérie de notre galaxie s'est effondrée. Il y a eu une formidable explosion appelée supernova.
La violence de cet événement a catapulté les vestiges de l'explosion dans un voyage de plusieurs milliers d'années. Et ces vestiges ont tout dévasté sur leur passage. Le problème à notre époque, et ça peut être une bonne ou une mauvaise chose selon le sujet, c'est que les gens sont très cyniques. On a tendance à ne pas croire ce qu'on voit ou ce qu'on entend. On peut imaginer que divers intervenants, divers scientifiques, participeraient au débat et confirmeraient l'information. Pensez-vous qu'on puisse être touché? Je crains que oui. Les astronomes du monde entier pourraient vous le confirmer. On a tous les mêmes données. Au bout d'une semaine ou deux, les gens finiraient par y croire. Mais la vraie question, c'est de savoir ce qu'ils feraient. Et quand est-ce que ça va arriver? D'après nos meilleurs calculs, dans 75 ans. Dans 75 ans, la Terre va être détruite. C'est la fin du monde. Face à une mort imminente, on aurait deux types de réactions. Il y aurait ceux qui se serreraient les coudes dans l'espoir de préserver l'humanité, ou du moins une parcelle d'humanité. Et puis, il y aurait ceux qui baisseraient les bras et qui perdraient espoir. Il serait absolument capital de définir un objectif commun, un point central auquel on pourrait se raccrocher. Si un corps céleste se dirigeait vers nous et menaçait de détruire la Terre entière, je pense que ça nous pousserait à chercher ailleurs. On serait tenté de croire qu'on pourrait aller sur Mars ou sur une des lunes de Jupiter pour échapper à l'apocalypse. Mais dans ce scénario, il n'y aurait plus aucun endroit sûr. Il ne resterait plus rien pour nous ici. Cela signifie que la seule solution serait d'essayer de trouver un autre système solaire. Il faudrait abandonner définitivement ce système solaire ravagé qui était le nôtre. Comment serait-ce possible? Pourrait-on réellement évacuer 7 milliards de personnes et les emmener ailleurs, à un endroit où la race humaine pourrait survivre? Ça coûterait une fortune. Il faudrait mobiliser des ressources financières et humaines colossales. Mais si on était condamné, ce serait la meilleure chose à faire. Une étoile à neutrons se dirige vers notre système solaire. Chaque seconde qui s'écoule nous rapproche de l'instant où tout ce qu'on connaît sera détruit. Dans 75 ans, cette étoile atteindra la Terre et celle-ci sera entièrement détruite. Ça défie l'entendement. Peut-on réellement sauver 7 milliards de personnes, sachant que de toute l'histoire de l'humanité, seules 600 personnes sont allées dans l'espace? Peut-on évacuer 7 milliards de personnes en seulement 75 ans? Pour être honnête, je pense qu'il faut envisager que ce ne soit pas possible. Il y a aussi le problème de la distance à franchir. Il faudra probablement aller au moins 6, 7, voire 8 années-lumière, ce qui représente 66 000 milliards de kilomètres. Une chose est sûre.
On ne pourra pas utiliser les engins spatiaux actuels. Les fusées qu'on connaît, Mercury, Apollo, la navette spatiale, sont toutes des fusées à propulsion chimique et elles ne feront probablement pas l'affaire. On ne peut pas utiliser un système de propulsion chimique pour atteindre une autre étoile. C'est l'histoire du chat qui se mord la queue. Plus on emporte de combustible à bord, plus il faut de combustible pour avancer. On n'arrivera jamais à destination. Il faudra construire un vaisseau gigantesque. Il faudra aussi concevoir un nouveau type de réacteur pour le propulser. Mais est-ce qu'on en est capable? On a beaucoup à dire en peu de temps, alors allons-y. Voici E0302, la raison de notre présence ici et un rappel constant de l'urgence de la situation. Aujourd'hui, nous allons examiner les propositions des groupes de travail de la division vaisseau d'évacuation. Je rappelle à tout le monde que cette réunion, ainsi que le projet entier, sont classés secrets. Heureusement, il existe de nombreux moyens d'atteindre les étoiles, en n'utilisant rien d'autre que la physique connue. Mais ça reste un défi technologique majeur. L'élaboration d'un nouveau système de propulsion ne va pas sans risque. Mais si le sort de l'humanité est en jeu, on n'aura pas le choix. Le projet a été baptisé Horizon. Il rassemble les toutes dernières technologies en matière de propulsion spatiale. Je vous propose d'en examiner un certain nombre. Le plasma. Prometteur, malgré des problèmes concernant le combustible et son stockage. Envisageable. Plus la vitesse d'expulsion des gaz d'échappement est importante, plus la capacité d'accélération de la fusée est élevée. Dans une fusée à plasma, on recourrait à l'électricité pour accélérer les gaz. Et on pourrait ainsi propulser l'engin à haute vitesse. Mais même s'il est plus puissant, le plasma nécessiterait beaucoup de carburant. On en revient donc au point de départ. Les voiles solaires. Cette technologie a fait l'objet de recherches poussées, en particulier ces 15 dernières années. Une voile photonique utilise la lumière du soleil pour se propulser. On ne le sent pas quand on marche, mais l'énergie lumineuse exerce une pression sur notre peau. Un tissu polymère est tendu sur une armature en acier. Lorsque la voile est en orbite basse, elle fonctionne de manière très efficace. Le rayonnement solaire frappe la voile. L'énergie cinétique des photons lui est alors transférée, ce qui engendre une poussée, un peu comme le vent pousse un bateau en s'engouffrant dans ses voiles. S'ils sont suffisamment grands et légers, certains modèles de voiles photoniques peuvent permettre d'atteindre des vitesses très élevées. Mais la voile solaire a un inconvénient. Elle exploite la poussée du rayonnement lumineux en provenance du soleil. Et à mesure qu'on s'éloigne du soleil, cette poussée est de plus en plus faible. C'est comme si on roulait sur une longue route déserte et qu'il n'y ait plus de station-service sur des kilomètres et des kilomètres. On a une autre option dans le domaine de la propulsion interstellaire qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. L'antimatière. L'antimatière est le plus grand espoir de tous les ingénieurs en propulsion depuis 20 ans. L'antimatière est une forme miroir de la matière. Elle est de même masse qu'une particule normale, comme un proton ou un électron, mais de charge et de spin opposés. Et quand une particule rencontre l'antiparticule qui lui correspond, les deux s'annihilent, ce qui produit une quantité phénoménale d'énergie. Elles se convertissent en énergie pure, selon la formule d'Einstein, E égale mc2. C'est efficace à 100%. Il n'y a aucune comparaison entre l'énergie provenant de l'antimatière et les énergies fossiles qu'on connaît bien. Sa puissance énergétique est des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de fois plus élevée. Mais l'antimatière pose un sérieux défi. Toute cette énergie est très dangereuse, et on ne sait pas bien la contrôler, encore moins la canaliser dans un moteur. Elle est très instable, et en cas de panne moteur, c'est la catastrophe. Il faut la stocker dans une chambre à vide et la confiner à l'aide de champs magnétiques très puissants pour qu'elle n'interagisse pas avec les parois de la chambre. Car s'il y a interaction, elle annihile les parois et produit de l'énergie.
En d'autres termes, ça devient une énorme bombe. C'est une solution hasardeuse. Passer du stade de la théorie au défi technologique que représente la construction d'un engin utilisant l'antimatière pour se propulser, dans le laps de temps imparti, ça me paraît irréalisable. Pour résumer, on ne peut pas utiliser la propulsion chimique. Les voiles solaires sont tributaires du soleil et l'antimatière est trop dangereuse. Pour un engin spatial censé voyager vers les étoiles lointaines, ça part plutôt mal. Merci d'être venu, on va maintenant rejoindre nos groupes de discussion. Heureusement, on dispose d'un autre atout, une technologie très prometteuse. L'ironie de la chose, c'est qu'elle existe depuis plus de 60 ans, mais ça pourrait bien être la solution. Aujourd'hui, quoi qu'on fasse ou qu'on aille, on est impliqué dans la guerre nucléaire. Dans le cadre du projet Manhattan dans les années 1940, un physicien du nom de Stanislaw Ulam a proposé de lancer un énorme engin spatial propulsé par des bombes nucléaires. Certains scientifiques, dont Freeman Dyson, ont repris ce concept et ont imaginé un vaisseau propulsé par des explosions nucléaires. Le projet a été baptisé Projet Orion. Le projet Orion est un moyen brutal d'atteindre les étoiles. La première fois qu'on en entend parler, on se gratte la tête d'un air perplexe. Et pourtant ça marche, du moins c'est ce qu'on pense. Orion est un concept très simple. Imaginez un très grand vaisseau et à l'arrière, une sorte d'amortisseur géant. On largue des bombes nucléaires depuis l'arrière du vaisseau et quand elles se trouvent à une dizaine ou une centaine de mètres de distance, elles explosent et l'onde de choc vient frapper l'amortisseur géant. On déclenche de multiples explosions et le vaisseau accélère jusqu'à atteindre sa vitesse maximale. Les ondes de pression propulsent le vaisseau. Orion permettrait de se déplacer extrêmement vite. Dans les années 60, Freeman Dyson et Ted Taylor ont construit un prototype qu'ils ont propulsé dans les airs à l'aide d'explosifs conventionnels. Cette expérience a prouvé que ce mode de propulsion fonctionne. L'objet le plus rapide construit par l'homme est la sonde Voyager, qui atteint 0,006 fois la vitesse de la lumière. À cette vitesse, il faudrait des dizaines de milliers d'années pour atteindre une autre étoile, mais avec Orion, on irait bien plus vite. Aujourd'hui, à l'aide de cette méthode, on est techniquement capable d'atteindre les étoiles et de les atteindre rapidement. C'est une technologie qu'on aurait pu mettre au point si nécessaire dans le passé. Des études réalisées montrent que si on faisait exploser une bombe derrière le vaisseau toutes les 3 secondes pendant 10 jours, on atteindrait une fraction importante de la vitesse de la lumière. On a arrêté la recherche nucléaire parce que les essais ont été interdits. We shall not regret that we have made this clear national commitment to the cause of man's survival. C'était une bonne chose. Ça nous a empêchés de lancer des bombes dans l'atmosphère. En théorie, on pourrait simplement reprendre les travaux de recherche menés sur le système Orion dans les années 60. Pour concevoir et construire un tel vaisseau, il faudra mettre en place une coopération à une échelle encore jamais atteinte. Il faudrait mobiliser toutes les compétences technologiques et scientifiques du monde. Je parle ici de ressources naturelles, de la nécessité pour les économies du monde entier d'abandonner le concept d'argent, de tendre vers un objectif commun. Le problème, ce sera cette date limite. On n'aura aucune marge. On devra avoir tout fait en 75 ans. Je
Si les gens étaient confrontés à un danger réel mettant en péril leur existence, je pense qu'on verrait toutes sortes de réactions. Aujourd'hui, vu l'importance des médias sociaux, ça aura un impact énorme. Tout le monde sera au courant en une milliseconde. Je pense que des gens se tourneraient vers des groupes ou des organisations religieuses en quête de réponses. On verrait aussi une augmentation importante du nombre de suicides. Le monde va prendre fin. Ce sera le chaos le plus total. Le décompte a commencé. On a maintenant 70 ans au moins pour évacuer la Terre et éviter d'être détruit par l'étoile à neutrons. Et on a décidé de construire un vaisseau spatial, une arche de Noé pour la race humaine. Pour concevoir et construire un vaisseau interstellaire, il faut commencer par rassembler les meilleurs spécialistes du monde. Des personnes issues de différents domaines scientifiques, des biologistes, des botanistes, des physiologistes, des physiciens. La liste des experts dont il faudrait obtenir la coopération est longue. Définir un lieu central où ces hommes et ces femmes pourront interagir et coordonner leurs efforts sera une étape essentielle à la réussite de cette entreprise. La mission a pour nom Projet Horizon. Et nous vous proposons de découvrir en exclusivité ce complexe tentaculaire qui sort de terre ici, en Floride, et qui a d'ores et déjà été baptisé la Cité du Vaisseau. Dans quelques mois, ce site bénéficiera de la protection de l'armée. La lutte pour sauver l'humanité pourra alors commencer. Vous faites venir vos spécialistes à la Cité du Vaisseau. Vous réunissez vos scientifiques et vos ingénieurs et vous pouvez alors démarrer la phase de conception. Il faut prévoir de les loger. Pas seulement eux, mais aussi leurs familles, les femmes, les maris, les enfants qui les accompagnent. Une immense communauté dont il faut satisfaire les besoins. Ils vivront dans la Cité du Vaisseau pendant toute la durée du projet de construction du véhicule. Et ils risquent d'y passer toute leur vie, car c'est un projet à long terme. Et c'est dans cette ville improvisée que se jouera l'avenir de la race humaine. Le premier objectif sera de trouver comment construire et faire fonctionner le vaisseau Orion. Concevoir un vaisseau comme Orion va poser un certain nombre de défis. La première étape sera d'augmenter la production de plutonium. Depuis la fin de la guerre froide, on ne produit plus beaucoup de bombes nucléaires par rapport à avant. En fait, on n'en fabrique quasiment plus. Il faudrait donc s'y remettre. En plus de reconstituer nos réserves de plutonium, il faudrait concevoir les petites bombes utilisées spécifiquement pour Orion. On ne pourrait pas recycler les armes nucléaires déclassées de notre arsenal. Il faudrait en concevoir de nouvelles. Les bombes seront mises en place dans la plaque. Les plaques servant à la propulsion devront remplir d'autres fonctions, ce qui rend leur conception difficile. Elles devront notamment convertir en énergie cinétique l'énergie produite par l'explosion. Elles devront également protéger des radiations les occupants du vaisseau. Être à côté d'une bombe à hydrogène qui explose, ça n'est pas vraiment bon pour la santé, à moins d'être protégé par un bon bouclier. Et enfin, elles doivent résister aux multiples détonations, une toutes les 3 secondes, qui permettent la propulsion de l'engin. Avec une détonation toutes les 3 secondes, on pourrait atteindre une fraction respectable de la vitesse de la lumière, peut-être même 7%. Tout en perfectionnant le système de propulsion, on devra commencer à s'interroger sur le vaisseau lui-même. Quelle sera sa taille ?
Quel environnement devra-t-on créer à l'intérieur pour accueillir les passagers? Un des éléments fondamentaux qu'on va devoir fournir et qu'on considère comme allant de soi ici, sur Terre, c'est la gravité. La gravité est un principe d'organisation pour tous les animaux et les plantes de grande taille. Notre corps s'est adapté en termes de physiologie et d'anatomie pour s'accommoder de la gravité. Dans l'espace, en l'absence de gravité, une des premières manifestations qu'on observe, c'est une décalcification des os. Les muscles s'atrophient. D'autres changements affectent votre physiologie. Les types qui reviennent de la Station spatiale internationale après avoir passé 3 mois dans l'espace, quand ils sortent de leur capsule, il faut les soutenir, sinon ils s'écroulent. Ils sont extrêmement faibles. Il s'agirait de passer toute sa vie en apesanteur. Et ça pose tout un tas de problèmes. Premièrement, je ne suis pas sûr que des hommes et des femmes puissent avoir des enfants dans cet environnement. Notre système reproducteur repose sur la gravité terrestre. Chez l'ensemble des animaux vertébrés, le squelette interne ne se développerait pas correctement dans un monde dépourvu de gravité. Si on veut procréer dans l'espace, notre progéniture aura beaucoup de mal à se développer, à moins de créer une gravité artificielle. On ne sait même pas à quoi ressemblerait un être humain soumis à l'apesanteur depuis sa naissance et même avant dans le ventre de sa mère. Son corps fonctionnerait-il comme le nôtre? Est-il seulement possible de donner naissance dans l'espace interstellaire? Il faut partir du principe qu'on devra élever plusieurs générations dans l'espace. Et cela n'a jamais été fait. Heureusement, il y a des moyens relativement simples de simuler la gravité, en particulier par un mouvement de rotation. Si vous prenez le véhicule, que vous le faites tourner, vous créez une gravitation grâce à la force centrifuge. Si vous avez un grand cylindre qui tourne lentement, cette force vous pousse contre les parois du cylindre. L'accélération centripète est ressentie comme la gravité, et heureusement pour nous, c'est suffisant. Si la solution, c'est un cylindre en rotation, la question est de savoir quelle taille l'engin peut atteindre, car ça détermine le nombre de passagers qu'on peut accueillir. Eh bien, il peut être relativement grand, et à cette échelle, on peut commencer à parler de ce qu'on appelle un cylindre O'Neill. Gerard O'Neill était professeur de physique à l'université Princeton. Il a proposé un modèle de colonie spatiale où les gens vivraient à l'intérieur d'un cylindre qui tourne pour créer une gravité artificielle. Tout a été simulé par un ordinateur. On a bon espoir que le cylindre permette de maintenir une pression constante. Là-bas, vous avez un cylindre du même type que celui proposé par O'Neill pour fonctionner dans l'espace. Il est conçu pour produire une pression équivalente à celle de l'atmosphère terrestre. Là, c'est un système pressuré qu'on peut déverrouiller pour faire circuler les gens et le matériel. Une fois que le système est verrouillé, le cylindre maintient une pression adéquate. Ça me paraît bien. La lumière est un problème évident, dès qu'on s'éloigne du soleil ne serait-ce que de quelques jours. On va donc avoir besoin d'une lumière artificielle. Mais ça ne pose pas autant de problèmes qu'on pourrait croire. On pourrait installer une barre au centre du vaisseau qui recréerait le cycle journalier du soleil. Parce que les hommes, les plantes et les animaux ont besoin de l'alternance des jours et des nuits pour vivre. Ces cycles régulent le rythme cardiaque. Ils régulent la température du corps. Donc maintenir un cycle de 24 heures est essentiel pour la santé. L'idée serait de construire de grands habitats autonomes et de créer un écosystème à l'intérieur de chacun d'eux afin de permettre à des centaines de milliers de personnes de vivre dans l'espace, dans cet environnement spatial indépendant et autosuffisant. Ce sont des vaisseaux de cette taille qu'il faudrait lancer vers les étoiles et que des systèmes de propulsion comme Orion seraient sans doute capables de propulser. Baptisé l'Arche, ce cylindre mesurera 24 km de long et plus de 3 km de large, soit environ 4 fois la taille de Manhattan.
Selon les scientifiques de la cité du vaisseau, il pourrait accueillir jusqu'à 250 000 personnes. Mais aucun spécialiste ni membre du gouvernement n'a répondu à la question « Qui seront ces personnes ?» Un arrêt de mort a été prononcé contre la planète Terre. Sa destruction est inéluctable. Nous faisons des efforts désespérés pour nous enfuir de ce qui a toujours été notre seule maison. Nous devons construire un grand vaisseau et le mener jusqu'aux étoiles. Nous devons évacuer la Terre. La dure réalité, c'est qu'on ne sera jamais capable de construire un vaisseau ou un ensemble de vaisseaux qui puisse transporter 7 milliards de personnes. On ne pourrait pas tenir les délais. Si c'est ça l'objectif, le projet est voué à l'échec. Heureusement pour l'humanité, il n'est pas nécessaire que tout le monde parte. Un petit groupe génétiquement diversifié peut se multiplier une fois arrivé à destination. Reste à savoir comment on sélectionnerait les membres du groupe. Qui sera du voyage? Pour moi, c'est la grande question. Comment sélectionner les personnes qui feront partie de ceux qui partent? Une des premières étapes, ce serait de comparer l'ADN d'un maximum de gens. Dans l'idéal, on parcourrait la planète pour rassembler les données génétiques de l'ensemble de la population. On aurait ainsi un instantané de la race humaine à l'instant T. On cherche les membres fondateurs d'une colonie, un groupe d'êtres humains appelés à vivre sur une planète lointaine. Ce qui est donc important, c'est leur capacité à survivre, et le profil génétique est un bon indicateur en la matière. Un facteur essentiel, c'est la biodiversité de ceux qui partiront. Il s'agit d'avoir une grande variabilité génétique. Une population devient très vulnérable quand on a une composition génétique monolithique. Elle devient vulnérable face aux maladies, même bénignes. Par exemple, si on était tous sensibles de la même façon à la grippe ou à une attaque virale, on pourrait tous mourir d'un coup. Il faudrait que la communauté scientifique participe activement à la sélection des candidats, qu'elle détermine le type de personne à même de convenir. Les candidats devront être biologiquement parfaits, du moins les plus parfaits possibles, car il s'agira de survivre sur une longue période. On cherche en priorité des gens naturellement peu sujets aux maladies et ayant une grande espérance de vie. Des affections comme le syndrome post-polio, la maladie de Parkinson. Si au cours de la mission, l'équipage développe ce genre de troubles, c'est un facteur de risque majeur pour les derniers survivants. On ne peut pas se permettre d'embarquer une personne qui a été diagnostiquée comme étant schizophrène ou qui représente un danger pour le reste de l'équipage. On ne peut pas prendre de diabétiques. On ne peut pas prendre de gens qui ont des problèmes de santé à long terme. On va réduire le patrimoine génétique de la race humaine tout entière à une poignée de passagers à bord d'un seul vaisseau. Il est donc essentiel qu'on préserve autant que possible la diversité génétique et que ces gens soient dans le meilleur état de santé possible. Dans certains pays, on recruterait du personnel médical qualifié pour rassembler les échantillons. Ailleurs, les gens pourraient les envoyer eux-mêmes. On pourrait créer un test d'éligibilité et l'envoyer à un maximum de personnes. Il se présenterait sous la forme d'un simple kit contenant une aiguille de prélèvement, une notice d'utilisation et une enveloppe réponse. Et le tout serait à retourner à la cité du vaisseau. Thank you.
Une fois au laboratoire, les échantillons seraient analysés. Comment ça marche ? Aujourd'hui, on peut établir la carte génétique complète d'un individu pour seulement quelques milliers de dollars. On peut savoir si une personne est susceptible de développer un cancer. On sait que certains gènes prédisposent au cancer ou aux maladies du sang. On pourrait très facilement détecter ces maladies. Plus on aura d'informations génétiques au cours des prochaines années, plus ce travail sera aisé. On aura besoin de personnes qui soient génétiquement prédisposées à survivre dans divers environnements. Si je devais choisir des gens capables de survivre à long terme avec des ressources minimales, je prendrais les Inuits du Groenland ou du nord du Canada, qui vivent dans des environnements très rudes depuis des milliers d'années. Ce genre d'aptitude est absolument essentiel. On est parvenu à décoder le génome humain. Est-il possible qu'à l'avenir, on puisse éliminer les maladies graves qui touchent l'être humain? Des affections comme le syndrome post-polio, la maladie de Parkinson. Si au cours de la mission, l'équipage développe ce genre de troubles, c'est un facteur de risque majeur pour les derniers survivants. Si on possédait la technologie nécessaire pour éliminer ce type de pathologie, il faudrait évidemment s'en servir. En revanche, je pense que ce n'est pas une bonne idée d'essayer de reprogrammer l'homme pour modifier sa personnalité ou son apparence. Ce serait vraiment contraire à l'éthique. On supprimerait tout ce qui fait de nous des êtres humains, à savoir nos imperfections. La génétique n'est pas le seul critère pour faire partie de ce groupe. Un ensemble de compétences seront requises. Tout d'abord, il faudra un équipage pour piloter le vaisseau et faire fonctionner les différents sous-systèmes. Des médecins, des ingénieurs, des pilotes, des scientifiques, des techniciens médicaux, des chercheurs en médecine. Mais l'attribution des rôles se fera sûrement un peu plus tard. Quels que soient les critères retenus, choisir ceux qui partent, c'est aussi choisir ceux qui restent. Et ça représente beaucoup de monde. En fait, 99% de la population ne va pas partir. Et même si vous êtes objectif dans le choix de vos critères, beaucoup de gens vont considérer que le processus de sélection est biaisé en faveur des puissants de ce monde. Ce sont surtout les plus riches qui définiraient les priorités dans ce projet et seraient étroitement impliqués dans la sélection du petit groupe de survivants qui partirait dans l'espace. Les règles seront dictées par ceux qui sont au pouvoir. Ils détiendront le savoir, ils disposeront des connaissances financières nécessaires. Des affrontements ont éclaté dans 71 pays sur les 5 continents. Les manifestants réclament l'arrêt du programme de construction du vaisseau. Certains s'indignent du coût exorbitant du projet, d'autres dénoncent le manque d'intégrité du processus de sélection. Dans de nombreux pays à travers le monde, très peu de gens seront sélectionnés pour faire partie du voyage. Il y a des populations pauvres en ressources qui voudront participer à ce projet et qui ne seront pas retenues. La lutte pour le contrôle des ressources est généralement violente. Ça risque fort de finir en tragédie. S'ils avaient l'impression d'avoir une petite chance de pouvoir monter à bord du vaisseau, les gens du monde entier ne réclameraient pas d'autres stratégies. Qu'est-ce qui est juste s'agissant du pourcentage de population? Qu'est-ce qui est juste par rapport aux pays qui ont le plus investi financièrement dans le projet? Si des nations décident de ne pas participer au projet, doit-on autoriser certains de leurs ressortissants à faire partie du voyage? On pourrait simplement organiser une loterie où chacun aurait une chance égale d'être choisi. Mais ce serait la pagaille. Les gens se feraient la guerre pour savoir qui participerait au voyage. Certains gouvernements vont peut-être dire « J'ai la bombe atomique, si vous ne faites pas ce que je dis, ça va péter. » C'est la fin du monde, c'est le moment ou jamais d'agir.
On risque d'observer, entre autres, une augmentation du nombre de guerres civiles. Et les gens au pouvoir vont peut-être choisir de laisser ces guerres se dérouler, de ne pas intervenir, de laisser ces communautés, ces gens s'exterminer entre eux. Il y a deux scénarios possibles. Soit les hommes s'unissent et donnent le meilleur d'eux-mêmes, soit ils se révèlent sous leur pire aspect. Comment les gens qui ne seront pas sélectionnés vont-ils réagir? Feront-ils tout ce qu'ils peuvent pour que personne ne parte? Essaieront-ils de saboter cette tentative pour sauver l'humanité? Face à la menace d'une catastrophe de cette ampleur, je pense qu'il y aurait un risque réel que des sectes ou des groupes fondamentalistes se forment pour saboter un tel projet. Vous entrez dans une zone réglementée. Veuillez vous arrêter. Dans la Bible et dans d'autres religions, on évoque les fléaux frappant périodiquement l'humanité tout au long de son histoire. Certains croiront qu'il s'agit de ce genre de catastrophe. Et il faudra se protéger contre ceux qui voudront saboter la mission. Le terrain de la cité du vaisseau est miné. Votre véhicule va être détruit. Selon un porte-parole du projet Horizon, les dégâts occasionnés par plus de 30 attaques terroristes ont entraîné de graves retards sur le programme, dont l'échéancier est déjà serré. Aujourd'hui, nouveau revers pour le projet Horizon. 45 scientifiques ont choisi de quitter la cité du vaisseau pour rejoindre un programme concurrent. Un autre engin d'évacuation a été développé en secret par un consortium détenu par de grosses fortunes qui ont décidé de quitter la planète par leurs propres moyens. Parallèlement à cet effort national pour construire une arche spatiale, il y aurait probablement une série d'arches construites par des particuliers. Après tout, c'est juste une affaire d'argent. Il est possible que des gens très riches comme Bill Gates ou Richard Branson, à la tête d'entreprises multimilliardaires, décident de s'associer pour essayer de construire leur propre vaisseau spatial. Nous reprenons notre conversation avec le technologue milliardaire William Jeffers. Une arche pleine de milliardaires n'est-elle pas une insulte à la survie de l'humanité? Écoutez, je ne vois pas les choses ainsi. Pourquoi le gouvernement devrait-il décider qui part dans l'espace? Cette évacuation va représenter une énorme entreprise. C'est grâce à l'argent de gens qui ont réussi qu'on va construire ce vaisseau, qu'on a baptisé Savior 1. Pourquoi ne partirait-il pas? On observe un développement croissant des entreprises privées dans le domaine spatial. La plupart des gens ne se doutent pas qu'une grande partie des fusées lancées chaque année n'appartiennent pas à la NASA. Une place à bord de vos vaisseaux coûte 500 millions de dollars. Si on considère le coût global du projet, c'est donné. Dès qu'on saura que notre système solaire est condamné, il faudra commencer à chercher une planète habitable dans d'autres systèmes solaires. On est convaincu qu'il existe d'autres planètes comme la nôtre. Il y a 20 ans, ce n'était qu'une réflexion philosophique. Aujourd'hui, on pense qu'il existe de nombreux endroits comme la Terre. Mais quand va-t-on les découvrir et à quelle distance se trouve le plus proche? Trouver une autre planète ne sera pas facile, mais on a déjà des télescopes dans l'espace qui recherchent des exoplanètes similaires à la Terre. Le plus prolifique actuellement est le télescope spatial Kepler. Kepler est un télescope spatial d'un mètre situé dans le sillage de la Terre. Il observe 150 000 étoiles toutes les 6 secondes
et cherche à détecter la légère baisse de luminosité d'une étoile lorsqu'une planète passe devant. Cette baisse de luminosité est en quelque sorte une mini-éclipse. De temps en temps, une planète passe entre nous et son étoile. Et ce faisant, elle masque une petite partie de la lumière émise par cette étoile. Et si on la surveille, on constate une variation de son éclat, ce qui indique la présence d'une planète. Kepler a détecté 2000 planètes candidates, de taille égale ou inférieure à la Terre. Ça représente beaucoup de terres d'accueil possibles, mais le problème, c'est qu'elles sont très loin. Les cibles du télescope Kepler se trouvent à 1000, voire 1500 années-lumière. C'est l'occasion pour nous de faire de belles découvertes, mais ce n'est pas ainsi qu'on trouvera un endroit relativement proche où on pourrait s'installer. Trouver une planète proche est essentiel. Plus on passera de temps dans un vaisseau, plus on risquera d'avoir des problèmes et plus la survie de l'espèce sera menacée. Bien sûr, l'idéal, ce serait de trouver un monde comparable à la Terre qui soit ni trop près ni trop loin d'une étoile. La zone idéale, c'est la région autour d'une étoile où la température permet la présence d'eau liquide à la surface d'une planète. L'eau liquide a un rôle déterminant en biologie. Elle est essentielle à la chimie de la vie. Le deuxième élément majeur, c'est la composition de l'atmosphère. D'après ce qu'on observe sur Terre, si on détectait des molécules d'oxygène et de méthane dans l'atmosphère d'une planète, ce serait un indice en faveur de la présence d'une forme de vie. Car ces deux molécules combinées ensemble sont très réactives et ne survivent pas longtemps à moins d'être régénérées. Et sur Terre, ce qui régénère ces molécules, ce sont les organismes. Même si on découvre une planète qui se trouve dans la zone d'habitabilité de son étoile, qui est à la bonne température et qui a la bonne gravité, peut-être même une riche biosphère, il restera de nombreux inconnus, des éléments potentiellement mortels. Prenez par exemple la vitesse du vent. Nous, les humains, pouvons à peine supporter des vents de 80 km/h. Sur certaines planètes, il pourrait y avoir des vents permanents de plus de 300 km/h. Imaginez qu'on arrive là-bas et qu'on découvre qu'on s'est trompé dans nos calculs, que la planète qu'on avait cru accueillante présente des caractéristiques chimiques ou d'étranges phénomènes volcaniques qui la rendent inhabitable. Personnellement, j'aurais peur qu'on atterrisse sur la planète et qu'on découvre la présence de gaz toxiques. Ce n'est pas possible de connaître en détail la composition de l'atmosphère avant d'aller sur place. Le mieux qu'on puisse faire à distance, c'est formuler des hypothèses éclairées. Telle ou telle planète pourrait ou ne pourrait pas abriter la vie, offre ou n'offre pas un environnement favorable. À un moment donné, il va falloir faire un pari, un énorme pari. On valide ? Avez-vous des réserves à émettre au sujet de cette recommandation ? On va devoir faire confiance à nos instruments, à nos calculs, choisir la destination et partir. C'est de loin notre meilleure chance. Dans cette situation, on n'aura pas le temps de revenir sur notre décision. La race humaine ne peut pas disparaître parce qu'on aura été incapable de trancher. C'est jour de fête à la Cité du Vaisseau. Les chercheurs ont trouvé la prochaine terre d'accueil de l'humanité. Cette planète est dotée d'une atmosphère contenant de l'oxygène et pourrait même abriter des formes de vie végétale. Son étoile, l'étoile de Barnard, se trouve à un peu moins de 6 années-lumière de la Terre. D'après nos calculs, il faudra entre 80 et 100 ans pour l'atteindre. Cette planète a pour nom Barnard C352, mais les chercheurs l'ont déjà rebaptisée Terre 2. «
Quand l'étoile à neutrons pénétrera dans notre système solaire, toute la matière, les bouts de roche, les astéroïdes et les comètes présents dans le système solaire seront attirés par cet objet. Et quand ils viendront heurter sa surface, ce sera comme si on faisait éclater des bombes atomiques. Cet objet va commencer à absorber le rayonnement. Il va tout brûler sur son passage. Quand cette étoile à neutrons va s'approcher de la Terre, le rayonnement qu'elle émet risque de percer l'atmosphère terrestre, de faire un trou dans notre atmosphère. Et si on se trouve à l'endroit où le rayon venant de l'étoile à neutrons balaie la planète, alors là, il ne restera plus qu'à prier. Quand l'étoile va s'approcher, son rayonnement va commencer à affecter l'atmosphère de la Terre. En gros, l'étoile va faire des trous dans notre atmosphère et les rayonnements nocifs provenant de l'espace ne seront plus filtrés. Pour survivre à cet épisode, il faudra se réfugier dans un abri, enterré le plus profondément possible. Quand l'étoile va s'approcher et que les catastrophes vont se multiplier, il y aura un accroissement des disparités en termes de qualité de vie entre les habitants des pays industrialisés et le reste de la population mondiale, à qui personne ne va fournir les abris et les vivres nécessaires pour surmonter cette épreuve. Le rayonnement de l'étoile à neutrons a bombardé l'hémisphère nord, faisant des millions de morts. D'après les experts, les effets d'une exposition directe seraient pires que ceux produits par la bombe d'Hiroshima. La perte de récolte et de bétail pourrait conduire à des pénuries alimentaires mondiales. Pour de nombreux sceptiques, c'est la preuve que la Terre est réellement en train de mourir. Malgré cette pluie de rayons, on ne pourra pas se permettre de ralentir, ne serait-ce qu'un instant, l'effort de construction du vaisseau, car la survie de notre espèce en dépendra. La plupart des gens n'imaginent pas qu'on puisse lancer et mettre une fusée en orbite autrement qu'en un seul morceau. Pourtant, ça ne peut pas fonctionner avec un engin aussi gros. Heureusement, il y a d'autres façons de faire. C'est bien plus logique de fabriquer séparément les différents éléments, de les envoyer dans l'espace et de les assembler sur place. Au sol, vous êtes tributaire de la météo. Vous avez la gravité terrestre. Quand vous envoyez votre fusée dans l'espace, vous traversez l'atmosphère, vous avez la pression atmosphérique, la dynamique du vent, autant de forces qui s'exercent sur la fusée. Quand on arrive dans l'espace, où il n'y a pas de météo, ni de gravité terrestre, il n'y a plus besoin que l'engin fasse un tel poids. On ne perd plus son temps à l'adapter aux deux environnements, l'atmosphère qu'il traverse et l'espace. Le seul impératif est de le maintenir dans l'espace. L'idée de construire un engin aussi complexe et aussi énorme dans l'espace peut sembler un peu folle. Pourtant, on l'a déjà fait. On a pris des modules et des composants fabriqués aux États-Unis, en Russie, au Japon, en Europe. On les a lancés avec différents types de fusées. On les a mis sur la même orbite et on les a assemblés morceau par morceau pour former la Station Spatiale Internationale, qui est toujours en place à l'heure actuelle. La station nous a permis d'acquérir le savoir-faire nécessaire pour assembler des structures en orbite. C'est un défi, ça c'est certain. On l'a déjà fait une fois, mais pas à cette échelle.
On ne pourra probablement pas tout construire à la cité du vaisseau. On va devoir répartir les tâches à travers toute la planète, créer une sorte de chaîne de montage géante. C'est notre seule chance de tenir les délais. Ceci est l'une des 63 usines qui fabriquent des pièces pour la Grande Arche. Et il ne s'agit pas seulement de quelques centaines de pièces. 23 d'entre elles sont implantées ici, en Chine. C'est de millions de pièces dont on parle. Mais même à l'heure actuelle, des pays sont capables de les produire. Les États-Unis, la Russie, le Japon, l'Europe, l'Inde, toutes les nations spatiales. Elles seront mises sur orbite et assemblées dans l'espace. Le plus gros challenge, ce sera l'ingénierie des systèmes, gérer la logistique et rassembler tous les morceaux du puzzle. Un projet d'une telle portée, d'une telle envergure, va nécessiter le recours à de nombreuses installations de production au sol, dans de nombreux pays. Ils vont devoir utiliser différents outillages et différents processus d'ingénierie, et s'assurer qu'une fois dans l'espace, la pièce A s'emboîtera bien dans la pièce B, et que tout fonctionnera correctement. Le pire, ce serait de découvrir une fois dans l'espace que les pièces ne se raccordent pas parfaitement. Mettre sur orbite toutes les pièces du vaisseau sera un défi, mais c'est faisable. De nos jours, on construit des fusées capables d'emporter jusqu'à 130 tonnes et de les placer en orbite terrestre basse. Ce qui signifie qu'à chaque voyage, on peut emporter des bouts énormes. Une fois qu'on aura réussi à mettre ces pièces sur orbite, le vrai travail ne fera que commencer. Là-haut, dans l'espace, on devra relever toutes sortes de défis qui rendront l'opération périlleuse du début à la fin. Dernier rapport de la cité du vaisseau. Malgré de récents contretemps, les projections indiquent que l'Arche pourrait bien être achevée à temps. Avec plus de 150 lancements par semaine, le projet Horizon a envoyé au vaisseau géant plus de 4000 tonnes de fournitures, d'instruments et de pièces. Long de 25 km et large de plus de 3 km, le vaisseau nécessite encore des millions de tonnes de terre et des dizaines de millions de litres d'eau. Et toutes ces réserves doivent être emportées en orbite à 420 km de la Terre. Envoyer les sections de vaisseau dans l'espace, c'est la partie facile. On l'a déjà fait. Mais même avec la technologie robotique la plus avancée, l'assemblage de ces sections pour former un vaisseau va nécessiter une coordination des ressources humaines à grande échelle. Le plus dur, ce sera la coordination et l'assemblage dans l'espace. Je ne pense pas qu'on sera capable d'assembler notre vaisseau uniquement grâce à des robots, sans intervention humaine. C'est fabuleux. Il n'y a rien de tel que la pesanteur. Les robots peuvent faire beaucoup de choses, mais parfois l'intervention de l'homme est nécessaire.
Il faudra probablement que des astronautes en combinaison spatiale soient 24 heures sur 24 à l'extérieur du vaisseau pour surveiller la construction, effectuer les réparations et la maintenance tout au long du projet. Et ça peut être très dangereux, sachant que des débris spatiaux volent à grande vitesse autour de la Terre. Dans l'histoire de l'exploration spatiale, on n'a pas été aussi soigneux avec nos vaisseaux qu'on aurait dû l'être. Largage réussi des boosters. Tout se présente bien. Certaines fusées ont explosé, éparpillant des centaines de débris dans l'espace. Il y a eu des lancements ratés, et même des fusées qui se sont percutées et qui ont éclaté en centaines, voire en milliers de morceaux. Et ce problème risque de s'aggraver avec la construction du vaisseau. Si on effectue 1000 fois plus de lancements pendant plusieurs années, il y aura plein d'étages de fusées volant à grande vitesse. Ces débris en orbite se déplacent à environ 8, 9, voire 11 km seconde, soit plus vite qu'un projectile. Ils provoqueraient des dégâts considérables en cas de choc. Pendant la construction du vaisseau, on devra surveiller les débris spatiaux, des bouts de tôle qui viennent de toutes les directions. Il faudra trouver des moyens d'empêcher ces débris de percuter et d'endommager nos équipements, car ça constituerait un important facteur d'échec. Jusque-là, on a subi les effets secondaires de l'étoile à neutrons, les radiations, les projectiles. Mais l'étoile s'approche des confins de notre système solaire. C'est le début de la fin. L'étoile pourrait modifier notre orbite et la rendre plus elliptique, ce qui signifie que le rythme des saisons serait bouleversé. Aujourd'hui encore, la météo sera extrême. Los Angeles sera touché par un nouvel épisode de froid. Le thermomètre descendra à moins 46 degrés. Il y aura des différences très marquées entre l'été et l'hiver. Ça atteindra un niveau qu'on n'aura jamais avec le réchauffement climatique et les changements actuels. Une vague de chaleur est attendue sur le Manitoba, avec des températures frisant les 60 degrés. Ouvrez vos réserves d'eau et abritez-vous au sous-sol aux heures les plus chaudes. Coupez. C'est dans la nature de l'homme de lutter pour sa survie. Il y aura sûrement d'autres groupes de personnes qui construiront leurs propres vaisseaux pour assurer leur survie. Et certains de ces petits groupes nous devanceront peut-être. Dans moins de 20 minutes, le vaisseau d'évacuation Savior 1, créé par feu le milliardaire Bill Jeffers Sr., sera lancé. La liste des 512 passagers ressemble au bottin des personnes les plus riches et les plus célèbres du monde. Ils voyageront aux côtés de 72 scientifiques et ingénieurs accompagnés de leurs familles qui ont gagné leur place à bord en participant à la construction. Nous sommes en liaison avec le poste de pilotage depuis lequel Bill Jeffers Jr., l'un des copilotes, nous a accordé une interview exclusive lors de la phase de préparation. Monsieur Jeffers, c'est un moment exaltant pour nous tous. Absolument. Mon père a réussi le tour de force de trouver l'argent. Et on a développé le tout premier moteur à antimatière que tout le monde jugeait trop dangereux. De la part de toutes les personnes à bord, je voudrais dire qu'il suffit d'y croire pour accomplir l'impossible.
Savior 1, j'attends votre feu vert pour le compte à rebours et la mise à feu. Début de la séquence automatique. Compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Échec de la mise à feu. Je répète, échec de la mise à feu. Défaillance moteur. Lancement interrompu. Je répète, lancement interrompu. Que tous les passagers et les membres d'équipage se préparent à évacuer d'urgence. Une nouvelle vient de nous parvenir du site de lancement de Savior 1. Il y a environ 5 minutes, précisément à l'heure prévue de lancement, une terrible explosion s'est produite. Pour ses détracteurs, l'ambitieux système de propulsion à antimatière de Savior 1 était une véritable bombe à retardement. Quand on stocke de l'antimatière, il ne faut pas oublier qu'elle ne doit pas rentrer en contact avec la matière. Il faut donc pomper tout l'air présent dans le conteneur et créer un champ magnétique à l'intérieur afin d'empêcher ces particules chargées d'entrer en contact avec les parois. Une erreur de stockage et tout explose. Les données télémétriques continuent d'arriver et l'enquête se poursuit. Mais il semble que la chambre de combustion ait été correctement alimentée pour le lancement. Le problème est survenu lorsque la première tentative de mise à feu a échoué. L'ordinateur de bord a envoyé une deuxième charge d'antimatière. Il y avait donc une double charge dans la chambre. Et quand la mise à feu a eu lieu, le dispositif de confinement n'a pas tenu le choc. L'étanchéité n'étant plus assurée, de l'air s'est introduit dans la chambre de combustion. Tout le monde connaît la suite. À ce stade, notre histoire, nos arts, notre science, notre existence même, tout repose sur ces quelques hommes qui préparent un vaisseau censé nous servir d'habitation pendant un siècle. Et il ne reste que quelques années pour tout finir. Ce vaisseau doit subvenir aux besoins de l'ensemble des survivants de la race humaine. Il doit donc emporter tout ce dont ils auront besoin pendant des dizaines d'années, tout au long de leur voyage. De l'air, de l'eau, de la nourriture. Sans ces trois choses, on n'y arrivera pas. Point barre. Mais heureusement, l'air et l'eau, c'est quasiment la même chose, scientifiquement parlant. On peut facilement fabriquer de l'oxygène en faisant passer un courant électrique dans l'eau. C'est en gros ce que font les organismes quand ils produisent de l'oxygène par le biais de la photosynthèse. Et si vous avez une centrale nucléaire à bord du vaisseau, vous pouvez produire de l'électricité pendant très longtemps en toute sécurité et effectuer une hydrolyse de l'eau pour produire de l'oxygène. Donc on peut respirer et on a de l'eau. Passons maintenant aux réserves de nourriture. Aussi banal que ça puisse paraître, on n'a encore jamais produit autant de nourriture dans l'espace. Et tous les hommes, les femmes et les enfants à bord du vaisseau risquent de mourir si on n'y arrive pas. Comment nourrir 250 000 personnes pendant toute cette période? On ne peut certainement pas emporter toute la nourriture avec nous. On ne peut pas emporter dans l'espace des millions de boîtes de conserve et des tonnes de hamburgers surgelés, c'est impossible. On ne peut pas avoir de stock de nourriture qui s'épuise au fil du temps. Il faut qu'il puisse s'auto-régénérer sans qu'on ait à recourir à des réserves extérieures. On ne mangera pas de viande dans l'espace, pas de steak. On aura juste droit à des aliments qui ont un goût de viande. Pourquoi ? Tout simplement, car lorsqu'on transforme des substances végétales en matière carnée, l'efficacité n'est que de 10%. En d'autres termes, pour produire 1 kg de viande, il faut que la vache broute environ 10 kg d'herbe. Si vous avez vraiment envie de protéines animales, vous pourrez manger des vers ou des cafards. Les insectes sont depuis longtemps une source de protéines pour l'homme. L'idée, ce serait de développer une forme d'agriculture. Mais qui sait? Peut-être finira-t-on par aimer les insectes et ce genre de choses.
devra envisager de faire pousser des cultures. Il faudra mettre au point de nouvelles plantes capables de résister aux sources de rayonnement qu'on trouvera certainement dans l'espace. On devra élaborer de nouvelles semences capables de pousser en microgravité. Cultiver du maïs dans l'espace, ce n'est pas possible. On cultivera des algues. On mangera des crackers à la chlorella, de fines crêpes vertes, qui auront au mieux le goût d'épinards séchés. Les bons jours. On aura de grands espaces dévolus aux cultures. Et on verra sûrement apparaître un environnement et des conditions météo particulières au sein du véhicule. Peut-être même de la pluie. On ne peut pas prédire ce qui se passera au cours de ces 60 à 80 années de voyage. Toutes ces technologies devront être testées sur Terre. La question de l'alimentation soulève la nécessité d'embarquer quelques milliards de passagers en plus. Je parle ici de bactéries. Dans l'espace, il faudrait prendre un complément de microbes. C'est absolument essentiel à notre survie. Les micro-organismes représentent près de 3 kilos en moyenne chez l'homme adulte. Sans bactéries, on ne serait même pas capable d'accomplir des fonctions simples comme de digérer la nourriture. Ces organismes sont apparus il y a plus de 2,5 milliards d'années à la surface de la Terre. Et ce sont eux qui ont rendu la planète habitable pour tous les autres êtres vivants. Le gros avantage des bactéries, c'est qu'elles supportent bien les voyages. Emporter des bactéries dans l'espace, c'est facile. On peut les placer dans de petites éprouvettes et les stocker dans de l'azote liquide ou tout autre liquide très froid. C'est comme de stocker du sperme dans une banque de sperme. Il ne faut pas oublier que tous ces programmes vont devoir être menés en parallèle. Construire le vaisseau, choisir une destination, résoudre les problèmes d'approvisionnement, trouver un moyen de nourrir ceux qui partent. Il faudra tout faire en même temps, sinon le projet échouera. L'étoile à neutrons ne nous donnera pas plus de temps. La fin approchant, on va commencer à observer des signes laissant présager notre destinée. Quand l'étoile à neutrons atteindra les planètes extérieures de notre système solaire, c'est là que le feu d'artifice va commencer. Ça commence. Regardez. L'anneau F va disparaître en premier, ensuite ce sera l'anneau A, puis la division de Cassini. On est les suivants. À présent, le seul espoir de l'humanité repose sur l'arche spatiale du projet Horizon. Les navettes transporteront les évacués jusqu'au vaisseau en orbite. On a nos dizaines de milliers d'individus, on a leur nourriture, leur eau, leur oxygène. À ce stade, je pense qu'on sera pressé de monter à bord du vaisseau et de quitter la planète. Ce sera un défi intéressant que de maintenir un état d'esprit positif chez ceux qui partent, surtout au début. Aujourd'hui, après 6 mois d'entraînement technique et physique, les hommes et les femmes qui ont été choisis pour quitter la planète se préparent à évacuer la Terre. Il est temps pour eux de dire adieu aux amis et aux proches qu'ils s'apprêtent à laisser derrière eux.
Les gens qui vont partir vont probablement souffrir de dépression quand ils réaliseront que leur monde a été détruit. Ils laisseront derrière eux des amis, des proches, des lieux qu'ils ne reverront jamais, et tout le monde va en souffrir. On fait partie des 1000 familles où tout le monde part. Comment refuser? On n'a pas d'autre choix. Une fois qu'ils auront franchi ces portes, ils effectueront les formalités d'embarquement et passeront un dernier examen médical avant de rejoindre l'une des 100 navettes qui les emmènera jusqu'à l'Arche. Pour la première fois, des hommes quitteront leur planète. Ils voyageront pendant 60, 80, voire une centaine d'années dans un grand vaisseau avec 250 000 personnes à bord. Certains auront laissé derrière eux des membres de leur famille, les endroits où ils auront grandi. Je pense qu'il est très important qu'on maintienne une structure familiale au cours de ce voyage, qu'on permette aux individus de se créer un chez-soi. L'équipe de pilotage de l'Arche est déjà à bord depuis des semaines, attendant les passagers qui s'acclimateront pendant 6 à 18 mois avant le départ du vaisseau. Si on réussit, l'Arche sera la plus belle merveille que les hommes aient jamais créée. La dernière merveille à être créée sur la Terre. On part du principe que les gens vont bien se comporter, mais il faudra veiller à ce qu'il y ait des lois, des règles, une structure. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la cohésion sociale du groupe. Les gens resteront-ils motivés? Ou vont-ils se rebeller et essayer de se lancer dans autre chose, de détourner le vaisseau, d'abandonner? Faire en sorte qu'ils restent tournés vers leur objectif tout le long du projet, qu'ils ne forment pas de faction à bord du vaisseau, qu'ils ne se tuent pas. Voilà ce à quoi il faudra veiller, comme dans une ville ou entre pays voisins. On aura des individus venant de multiples pays. Et qui sait si les haines et les problèmes qu'on a ici sur Terre ne ressurgiront pas au cours du voyage. Il faudra tout faire pour éviter l'apparition de clans ou de groupes d'individus qui se séparent du reste de la population. Pensez aux petits clans qui se forment au collège ou au lycée. Il faudra vraiment veiller à minimiser l'importance de ces clans, de ces sous-groupes pendant le voyage. Il faudrait bien évidemment un gouvernement. Quelle loi s'applique à bord? Est-ce la Constitution des États-Unis? Celle de l'ONU? Quel type de structure politique aurait-on à bord? Une démocratie est-elle souhaitable? C'est une question très intéressante car on ne veut certes pas d'un dictateur qui impose sa loi et qui, une fois parvenu à destination, devient le dirigeant de la planète. Mais en même temps, on a besoin d'une structure militaire qui fasse en sorte que les ordres soient exécutés. Les responsables prennent des décisions très difficiles de façon quasi militaire et si on a un régime démocratique, peut-être se verront-ils relevés de leurs fonctions, ce qui pourrait compromettre le succès de la mission. Il y a bien sûr le risque que la mission sombre dans le chaos. Mais si on a été capable de construire un vaisseau, de sélectionner les personnes qui monteront à bord, il y a des chances que ces personnes trouvent des façons équitables de gérer les problèmes de la vie à bord.
Le plus important, c'est de faire partir et d'envoyer dans l'espace suffisamment d'êtres humains pour assurer la survie de l'espèce. L'étoile à neutrons s'approchera de la Terre, il se produira deux choses. Le noyau interne et la croûte terrestre commenceront à chauffer puis à fondre. Ça provoquera des tremblements de terre d'une ampleur inégalée. Ensuite, le champ gravitationnel de l'étoile à neutrons commencera à déchirer notre planète. Une fois que l'atmosphère, les océans et la croûte terrestre seront perturbés, les gens vont rapidement mourir. Puis la croûte terrestre va probablement se désagréger. L'intérieur de la planète va se répandre dans le vide spatial. Au moment où l'étoile à neutrons déchiquettera la Terre, tout le monde sera déjà mort, à cause des radiations, des éruptions volcaniques ou autres. Il n'y aura personne pour assister à cet événement, à part bien sûr les passagers de l'Arche. Les débris provenant de la Terre peuvent finir de différentes manières. Ils peuvent s'abattre sur l'étoile à neutrons et provoquer de gigantesques explosions. Ils peuvent également entrer en orbite autour de l'étoile à neutrons et former un anneau. Notre planète deviendrait alors un système d'anneaux. Qui restera-t-il à l'arrivée ? Actuellement, l'espérance de vie est d'environ 70 ans. Donc le temps qu'on atteigne la planète lointaine qu'on a choisie pour destination, il y a des chances que la plupart des gens sélectionnés pour monter à bord ne soient plus là. Ceux qui avaient 50 ou 60 ans quand le voyage a commencé n'y survivront pas. Ne resteront probablement que les plus jeunes.
On imagine l'émotion qu'ils ressentiront. Ce sera la fin d'un long voyage, ils auront réussi, et pourtant, l'aventure ne fera que commencer. Imaginez le flot d'émotions qui va submerger ces gens la première fois qu'ils vont voir la surface de cette planète. Et il leur faudra accomplir une tâche encore plus ardue, se poser sur cette planète et reconstruire la civilisation humaine dans un nouveau monde. Pour beaucoup de gens, construire une arche interstellaire et évacuer la planète est une perte de temps. Je ne suis pas sûr qu'on mette beaucoup d'énergie dans ce genre de projet, à moins d'être directement menacé. Mais ça vaut la peine d'y réfléchir, car dans le futur, on cherchera tôt ou tard à quitter la planète. Espérons que ce ne soit pas à cause d'une catastrophe. Ça paraît complètement fou. C'est digne d'un scénario de science-fiction. La fin du monde, pas d'espoir de retour. Il faut évacuer la Terre. Et pourtant, on ne peut pas dire que ça n'arrivera jamais. Ça soulève également une réflexion intéressante. Notre espèce s'étendra-t-elle un jour au-delà des confins de la planète qui nous a donné naissance? Si on regarde l'évolution sur la Terre, bien souvent les grandes migrations et l'extension de certaines espèces ont été provoquées par un désastre qui a contraint ces espèces à aller ailleurs. Peut-être vivrons-nous la même chose. Peut-être un événement comme celui-ci, aussi dévastateur soit-il, sera-t-il l'assurance que notre espèce se perpétuera en se propageant dans l'univers.